We are all equals. The only thing that will set you apart is if you've got character and spirit. And if you do, we'll teach you how to fight. Character and spirit, and then we can teach you how to fight, so long as you have those things. And you all have them, stronger than I've ever seen anywhere. So everybody, congratulations on becoming a Nakashinga trainee ranger. Look, I grew up. J'ai grandi sans vraiment me soucier de l'environnement ni des animaux. J'étais chasseur. Quand je suis arrivé ici, ce n'était pas pour les bonnes raisons et je n'ai pas rejoint l'armée pour servir mon pays. Je l'ai fait pour l'aventure et je suis allé en Irak pour l'argent. Quand je suis venu ici, je cherchais plus un combat qu'une cause. Et en voyant les gardes forestiers qui travaillent pour un très petit salaire, loin de leur famille pendant des mois pour protéger le cœur et les poumons de la planète, ça m'a fait réfléchir. Vous savez, sur ce que je fais en tant que personne avec mes compétences et sur l'argent que j'ai gagné en Irak. La deuxième chose, c'est de voir des animaux. Je venais d'Irak où on sait ce que c'est d'être chassé par un autre humain. Les animaux, eux, ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. Les animaux ne veulent pas d'une voiture, d'un salaire ou d'une maison plus grande. Ils veulent simplement vivre. Et nous leur enlevons ce droit sans arrêt. 160 candidats sont venus passer des tests pour devenir ranger. En 2017, on a recruté les deux premières unités de rangers femmes entièrement armées du Zimbabwe et le programme s'est développé. Nous nous occupions d'une réserve et maintenant nous en surveillons 5, plus de 4000 km² en tout. Les femmes que nous employons ici et celles qui sont sur le point d'être sélectionnées viennent toutes des villages du coin. Elles vivent en périphérie de la zone qu'elles vont protéger. Elles ont envie que tout aille bien dans ces zones sur le long terme. Ce sont des survivantes d'agressions sexuelles graves, de violences familiales, des orphelines du sida, des mères célibataires, des épouses abandonnées. Et nous lançons également un appel aux travailleuses du sexe dans les communautés. Mon mari abusait de moi. C'était un homme violent. Il était très violent avec moi. Mais je n'ai pas eu le choix. Je devais fuir cette violence. C'est un vrai changement de mode de vie pour ces femmes. La plupart des femmes de la première équipe d'Akashinga sont maintenant chauffeurs. Certaines suivent des études, d'autres construisent leur maison. La plupart d'entre elles avancent et certaines d'entre elles sont financièrement indépendantes. But I feel it in my heart when I see you disturbing or poaching or hunting my animals, then I'll show you, I'll catch you. I love my elephants like my children, so I must protect them. Nous passons d'une unité anti-braconnage qui essaie de défendre une région à une communauté qui croit que la région doit être protégée. Et je pense qu'on ne peut gagner les cœurs et les esprits qu'en faisant participer la communauté locale. Et d'après mon expérience, dans les forces de l'ordre sur 3 continents, la meilleure façon de gagner la confiance de la communauté locale est de travailler avec les femmes. Des femmes vont-elles mourir dans une fusillade un jour? Je dirais que oui. C'est la nature de notre travail. C'est un travail difficile et ce sera triste. Mais plus nos équipes seront nombreuses et exposées, plus il y aura de braconniers qui viendront ici avec des armes, prêts à tuer les éléphants et les gens qui l'y protègent. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est être optimistes et se préparer au pire. I'm prepared to give my life. I'm prepared to give my life. This is my duty. This is my duty. I am Akashinga. I am Akashinga. I am a brave one. I am a brave one. You are now Akashinga. Today we are 100. Tomorrow we're going to be thousands and thousands.